l'application Idéogramme. Et combien vous connaissez à peu près pour apprendre votre alphabet, c'est 26. Oui. Oui. Et là, c'est 3000 ou 3500. Quand j'ai oui. À peu près 48. Deux fois plus de votre alphabet, à peu près. Hein. Ouais, 48. Par contre, ça, c'est la base. C'est-à-dire, il y a des supplémentaires. 48 alphabet syllabaire japonais et aussi 48 alphabet syllabaire japonais utilisation spéciale. Donc on utilise trois sortes de lettres en même temps. Ça c'est la difficulté de la langue japonaise. Et moi j'adore le hiragana parce que ça c'est que les japonais qui utilisent. Et il y a beaucoup de sons, par exemple A, A, I, U, E, O, c'est 5 voyelles en japonais. A, I, U, E, O. Et il y en a beaucoup de A, kanji, parce qu'on a déjà des langues, communication et caractères chinois qui viennent du Japon. Donc on a mis des A, plusieurs kanji. Après 1900, on a alphabet 48. Mais avant 1900, il y avait beaucoup de Et pourquoi j'adore celui-là? C'est parce que c'est japonais qui utilise cette caractère. Donc pour moi, c'est très touché et profondément. Et j'ai commencé calligraphie à peu près l'âge de 6-7 ans avec 2 maîtres. Et j'ai commencé celui-là kanji parce que j'étais un peu mauvaise élève pour écrire des choses. Je n'aime pas trop parce que c'est un peu compliqué pour écrire. Donc ça, je n'aime pas trop. Et puis ma mère m'a demandé d'aller à un maître de calligraphie pour écrire bien. Donc j'ai commencé comme ça à l'âge de 6-7 ans. Et après, moi, je n'aime pas trop. Et une dame qui a calligraphe, et les spécialités de ce domaine. Donc moi, tout de suite, j'adore celui-là, parce que beaucoup plus simple. Mm-hmm. Pas pour celui-là. Donc moi, j'ai commencé plutôt celui-là. Il est plus épuré. Oui, et cursif. D'accord. Ah oui, c'est bien. Donc je vais écrire aujourd'hui haïku de Basho. Vous connaissez Basho? Vous connaissez quelqu'un, Matsuo Basho? Odile. Parce que grand maître, 42 ou 43 ans, Matsuo Basho. Et c'était il y a 3331 ans. 331 ans. Parce que ça, c'était l'époque de Edo. L'époque de Edo. Donc Matsuo Basho qui a écrit cette haïku il y a 331 ans. Il était l'âge de 42 ans. Haïku. Mais beaucoup de personnes qui a fait attention de bruit de grenouille. Pas de bruit de l'eau. Vous voyez? Donc c'est lui qui était premier. Attention de l'eau. Oui, parce que là, c'est vraiment, comment dire, dans le domaine de haïku, les gens qui a pensé d'abord aux grenouilles. Oui, oui. Et puis écrire quelque chose de grenouille, mais lui qui n'écrit pas grenouille, qui a écrit, c'est le bruit de le bruit de l'eau. Oui, c'est pour ça que c'était célèbre cette haïku. Thank you.
Là, en l'occurrence, pour le poème, vous vous mettez comme une méditation, en fait. Bien sûr. En fait, ça revient un petit peu à ce que tu nous as expliqué aussi. C'est que quand tu te mets à travailler... Alors, généralement, moi, quand je prêche, je me mets pieds nus. Parce que j'ai constaté que... Et pourtant, je ne suis pas contre le sol, c'est le sol de mon atelier, mais oui. Quand je suis pieds nus, je suis mieux que quand j'ai des chaussures. Ce qui fait qu'après, j'arrive à la maison, j'ai les pieds tout noirs. C'est, pour moi, c'est important d'être pieds nus. Et je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je ne peux pas dire que je suis contre la terre ou... Mais j'ai l'impression de sentir plus les émotions. Symboliquement, tout ça en fait la terre. Oui, mais c'est même pas ça, c'est que je ressens le besoin d'enlever mes baskets. Alors parfois j'ai une peine avec, mais je sens que c'est pas pareil. Donc même en hiver, j'essaye de les enlever. Voilà. Le résultat est pas forcément. C'est pas ça. Parce que là, il faut étudier longtemps. Eh oui, oui, parce que d'abord, il faut savoir comment écrire alphabet syllabaire japonais, Irora Niho Beto. Et après, il faut arriver de l'esprit, comme vous avez dit, Zen. Oui, moi, je n'ai jamais étudié la calligraphie. J'ai eu pratiqué avec ce maître chinois, mais c'est vraiment un cours, je ne sais pas, d'une journée. Je ne peux pas dire que j'ai étudié la calligraphie. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est la pratique de la peinture de paysage au départ. C'est pour ça que je n'ai pas commencé par le Japon, mais par la Chine, puisque de toute façon, oui. Tout est issu de la Chine. Oui. Donc, avec les maîtres chinois, et notamment les moines de Shan, qui pratiquaient la peinture. La peinture de paysage à l'encre. Oui, parce que ce millet, au début, c'était à Chine. Ouais, et puis, moins de Zen qui apportait de signes au Japon. Oui. Et puis, développé différemment. C'est comme le thé, comme la cérémonie de thé. Voilà. Si on entre au Japon, piouf, ça change. Développé différemment. C'est comme ça. Donc, semier chinois et japonais, et c'est différent. Et mon maître de semier, c'est 82 ans. Donc, c'est de. Comment dire, c'est de technique très ancienne. Tout à fait. Et moi, j'ai longtemps oscillé entre l'amour de la culture ancienne chinoise et la culture japonaise que je voyais. Bon, évidemment, c'est pas très loin géographiquement. Et le Japon m'a toujours intriguée, mais je trouvais que c'était une culture difficile d'approche. Peut-être parce que c'est une île et que c'est très profond. Simplicité, c'est plus important pour les Japonais parce que simplicité, on a pensé, c'est beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus fort que des choses compliquées. Oui, tout à fait. Parce que comme je suis arrivée en France, je parlais des choses compliquées. Mais moi, j'ai pensé, mais des choses plus simples. Nous, les Japonais, c'est... On aime des choses de simplicité, donc qui vient de signer des choses, mais on a fait de plus en plus simplicité, comme la lettre de hiragana, c'est-à-dire au début c'est des kanji, et plus en plus simplicité, 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 simplicité. Vous allez à l'essentiel, finalement. Oui. Ouais. On est avant Eyan d'ailleurs, il pratiquait l'écriture chinoise. Et les lettrés ne pratiquaient que l'écriture chinoise. Il fallait s'exprimer en chinois, écrire en chinois, pour être considéré comme un lettré. Et c'est ensuite après que l'écriture, vous avez adapté. Et oui, parce que là, c'est trop compliqué pour nous. Connotation japonaise aussi, enfin... Qui a rencontré le mont Fuji. Voilà, qui a rencontré le mont Fuji. Qui doit parler. Venez.